Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Merci de suivre ce match avec nous. Première journée du FA Champions League aujourd'hui, Pierre. Ouais, bonjour à tous. Un match entre deux équipes qui veulent bien sûr prendre des points pour se mettre en confiance. Et dans ce match, nous retrouvons l'Olympique Lyonnais face au Shakhtar Donetsk. Un match qui s'annonce plutôt serré, on peut dire ça, Pierre. Oui, sur le papier, ça sent le nul à plein nez. Les deux équipes sont très proches l'une de l'autre. Va faire un pronostic avec ça, toi. On avait hâte que ça démarre cette Champions League. Ah, et les championnats domestiques, c'est sympa, mais c'est sûr que la Ligue des Champions, c'est autre chose. Allez, c'est parti pour la première période de ce match. C'est la première période du premier match de cette première phase. Moi, j'étais à l'école et j'ai jamais été premier. Je vous laisse découvrir la composition de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. L'entraîneur avec un tir. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il a pas cadré. Jaroslav Rakitski. Tyson. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Nabil Fekir qui, comme souvent, en profondeur, oui, bien vu. Memphis Depay, le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Marlos, Wellington. Ouais, la bonne lecture de la trajectoire de la part du gardien. Il va essayer de relancer vite. Lucas Touzard. Allez, peut-être une bonne occasion. Ouais, la frappe. Oh, ce tir qui frôle le poteau. Ça partait bien pourtant. C'était pas très puissant, mais bien ajusté. Marlos. Oh, que c'est bien donné ça. Et il dégage. Allez, une bonne touche peut-être pour l'OL. Il récupère le ballon sur cette interception. Lucas Touzard, il prend sa chance. Et le but! Le ballon qui a touché le poteau et qui termine sa course au fond des filets. Ah, le buteur, il peut remercier le poteau. Ah, son ballon vient heurter le montant, mais enfin, ça enlève rien à la qualité de sa frappe. Hein. Et l'OL qui est devant au tableau d'affichage. Cocholava, Wellington, Marlos, Mendy. Ouais, lumineuse cette passe. Et la voilà la frappe. Et le gardien qui remporte son duel. Wellington. Ismaili. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Ouais, l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Nabil Fekir. Ah oui, la bonne passe. Oh, le but peut-être. Ah oui, le but.
Le but pour l'Olympique Lyonnais. Eh, c'est le défenseur qui marque un Pierre. Ouais, c'est vrai que c'est pas son registre habituel, mais là, il a bien fait de suivre son intuition. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Taras Stepanenko. Wellington. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Bonne anticipation sur cette interception. Il cherche un coéquipier dans la surface. Mais non, un manque de précision sur cette frappe. Il est quand même en train de livrer un match très moyen, Marlos. Pas très percutant aujourd'hui, l'ailier brésilien. Je le trouve vraiment peu inspiré dans ses appels et dans ses passes. Soit le ballon n'arrive pas à ses partenaires, soit ses partenaires ne le trouvent pas. Ça manque de cohésion, hein, et les stats reflètent toutes ces lacunes. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Il est à la récupération au milieu de terrain. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Oui, le joueur est bel et bien hors jeu. De peu, mais hors jeu. Raphaël. Et le break peut être fait à la pause. C'est la mi-temps à l'instant. Le score pour le moment 2-0. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non ? J'ai bien aimé la première période qu'il vient de faire. Il est allé de son petit but qui permet à son équipe de mener et d'envisager sereinement la suite de la rencontre. Allez, c'est parti pour la première période de ce match. C'est la première période du premier match. La suite de ce premier match de la phase de groupe. Allez, on repart pour 45 minutes. Ah, c'est une perte de balle. Oh, le défenseur, il n'a rien compris là. Voilà. En profondeur, oui, bien vu. Avec un tir. Oh, l'occasion! Dembélé. Le corner, le ballon. Marcelo. Et le but, que c'est beau. Et le corner était parfaitement joué. Et le résultat, eh bien, ce ballon au fond des filets. Corner magnifique, bien tiré d'abord, puis après le buteur fait le reste. Superbe construction, hein, sur ce but. Il n'y a rien à acheter sur ce but. Le corner, le démarquage, le timing. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Wellington. Les Lyonnais qui essayent de porter le danger. Ah, excellente défense. Excellente défense sur ce coup. Tyson. Alan Patrick. Ah, ils sont pas contents, les supporters. Ils estiment que ça méritait un péno. Tyson. Allez, il va pouvoir amorcer un contre. Taras Stepanenko. Wellington. Alan Patrick. Le centre à destination de ses partenaires. Ouais, c'est... Et le but, la réduction du score pour cette équipe. Mais le retard qui reste quand même énorme. Ouais, il reste du chemin à faire, c'est sûr. Mais ça peut toujours semer le doute dans l'esprit de l'équipe qui mène. Et la bonne série qui s'arrête là pour le gardien. Il avait été vraiment irréprochable jusque-là. C'est quand même vraiment compliqué de lui en vouloir. Hein. Sur l'ensemble du match, il a démontré qu'il était bien là. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire.
Il remporte son duel. Ah, il est facile là. Ouais, il a dribblé. Lucas Touzard. Un bon ballon qui va peut-être trouver preneur. Ouais, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Il choisit la frappe. Et il met le score, mais il ne s'en contente pas. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser. C'est pour ça qu'il demande ce changement. Lucas Touzard. Ouh, ça passe juste au-dessus. Ouais, dommage, c'était bien vu. Cocholava. Ouais, vilaine passe directement à l'adversaire. Ouais, bonne intervention dans le couloir, ballon récupéré. Taras Stepanenko. Le ballon qui passe d'une équipe à l'autre. L'Olympique Lyonnais qui progresse dans le camp adverse. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. Et la remontée du terrain qui se poursuit. La passe est interceptée. Il n'y a personne pour contrer l'action des Lyonnais sur les côtés. Bon, dégagement, sans se poser de questions. L'entraîneur qui a décidé de le faire sortir. Je trouve qu'il a été bon, moi. On va voir si c'est du poste pour poste, ce changement que je trouve un petit peu bizarre. Ouais, la frappe. Bien repoussé par la défense. Tyson. Ismaili. Ouais, faute. L'arbitre a tout à fait raison. Ah, c'est pas bien joué, c'est pas bien contrôlé. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Nabil Fekir. Fekir. Ah, ça se bouscule un petit peu dans la surface avant ce corner. Le temps réglementaire est terminé. Il y aura 3 minutes en plus. Un ballon intercepté, mal donné ou bien défendu. Allez, une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Voilà, c'est la fin du match. C'est terminé cette rencontre de phase de groupe de Ligue des Champions. Victoire donc pour cette équipe, victoire précieuse. Et on va s'attarder un petit instant sur ce joueur qui a quand même été très bon aujourd'hui, hein, Pierre. Il aura sûrement une bonne note dans la presse demain, parce que non seulement il a marqué, mais en plus il a été très actif devant. Clairement un des artisans de cette victoire.